Tac. Bon, vous avez un loupé spécial, hein, du coup. Hein. Alors. Ah oui, les deux sprites. Ah oui, bah, je vais aller taper ça. Ouais, dans les mines, on va aller taper les petits bonhommes. La zone de glace. Ils m'ont enfilé du charbon. Et puis voilà. Je vais vite fait passer au centre communautaire, déposer les trucs. Comme ça, dès que j'ai tout le charbon, je l'emmène à Clint. Ça, j'ai la thune. Et j'ai un ticket. Et puis voilà. Tout va bien. Alors, paquet jardin. Boum et boum. Et ensuite, champignon violet, ça va être... là. Ouais. Et du coup, pour le côté exotique, il me restera juste à récupérer la noix de coco, le fruit de cactus, dans le désert. Et c'est fini. Donc c'est pas mal, ça. Ça donne zéro d'énergie, ça. Pas grave. On va juste aller taper les petits monstres qui dorment du charbon, c'est tout. On se met dans le mood. Là. Un petit clé farm là. Étage 45, je crois que c'est pas mal. Ouais. Alors, faut juste que je ferme ces petits bonhommes. Faut qu'ils dorment après. Ils vont vraiment pas drop. Hop. Ouais, si je pouvais avoir une échelle. Hop. Merci Martin. Merci Martin. C'est le temps, Philios était chez Martin, folie. Qui s'en serait douté? C'est la fin. Ça va Martin, t'as passé un beau stream, tu as bien monté diamant? J'ai peur de la réponse mais... Bah ouais, bah je sais bien Philios. Quand ça fait du valo, on sait où tu es. Hein. Allez, file-moi l'échelle, s'il te plaît, j'ai pas que ça à foutre. C'est un supplice. Ça va être le dernier caillou que je vais péter. Bien sûr que non, c'était dur, t'as trop mal joué. Ah, y a des jours comme ça. Hein. Après, tu fais de la solo queue, hein. Franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. C'est mon plus grand mystère, hein, les gens qui font de la solo queue et qui arrivent à jouer. Hein. Bravo pour le 58e mois du coup Martin, bravo. Oh le vieux de la vieille de ce chat, de ce live. Ok charbon 3 sur 10, c'est long. Et comme dit Martin, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si tu veux qu'on en fasse demande, on fait demain. Hein. Tu me rediras. Putain, j'ai passé ma journée juste pour faire une quête pour l'autre con. Hein. J'ai que ça à faire. C'est bien sympa, Clint, mais vas-y. 10 charbons. Merci. Oh oui, il y en a plein, oui. Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Allez, boum. Dropez-moi tous. Il a pas droppé. Allez.
Oh, vas-y, vas-y. 8, ok. Oui, ça va, mon chat. Toujours le même rituel avec ce chat. Elle se réveille. Elle fait un petit miaou. Elle descend du canapé, elle s'étire sur le tapis. Et elle va bouffer un coup. C'est, tous les jours, c'est le même rituel. Toujours. Il n'y a pas un jour où c'est différent. Faut que dalle de charbon, hein, vraiment. Juste, allez, deux de charbon et je peux avancer dans ma journée. Ce serait dingue en vrai. En plus après c'est l'étage 50 en vrai, je sais même pas pourquoi je m'embête à essayer de chercher l'échelle. Hop, étage, bah on fait étage 45. Un petit quartz raffiné, je prends. Je prends le quartz raffiné par contre. C'est pas ce que je voulais faire mais... Pas de petit bonhomme. Pourquoi tu farmes les mobs quand il y a la mine de carrière qui en donne 100 par passage? C'est la mine de la carrière. Je sais pas ce que c'est la mine de la carrière donc. Je sais pas de quoi tu parles donc je peux pas savoir. Tu parles de la carrière qui est en extérieur que je ne peux pas atteindre parce que je n'ai pas terminé les trucs communautaires? Ou pas d'autre chose? Ah merde. Ah! Ah bah oui, tiens, bizarrement! Ah bah eh! Pourquoi je ferme comme ça? Bah parce que j'ai que ça! Ah merci! Oh oui, bah c'est bon, j'en ai deux là! Oh, attends, mais il va être 16h! Oh non, mais attends. La boulette! Non, mais attends, mais la boulette, par contre, la grosse boulette là pour le coup! Parce qu'il ferme à 16h, Clint! Hein. Du coup, je vais pas pouvoir récupérer mon arrosoir là, c'est une grosse connerie ce que je viens de faire! Bon bah, FF! FF, j'ai fait le con, j'aurais pas dû rester aussi longtemps. Bon après ça va, l'arrosoir il peut attendre demain, c'est pas si grave. Mais bon. Ça fout un peu le seum pour le coup. Heures, dommage. M'apprendra à prendre autant de temps. Bon, au moins j'aurai un ticket. Hein. Pourquoi je mets pas un coffre devant l'ascenseur pour stocker ce que je mine? Bah parce que j'ai pas besoin. Parce que même si je le stocke, à un moment faudra que je le ramène chez moi. Et si j'ai pas de place maintenant, j'aurai pas de place comme on... J'aurai pas de place non plus après. Enfin, je sais pas. Ah, il est encore ouvert, la folie, la dinguerie. Tu as apporté les minerais que je t'ai demandé, parfait. Ces minerais semblent être de bonne qualité, tu peux les garder, bien sûr. Je voulais juste voir ce que se pouvait offrir la géologie, ouais. La géologie, ouais. Hop, ça dégage, comme ça je prends le ticket. Tout est prêt, mais tu n'as pas de place dans l'inventaire. Ah, c'est une folie. Hop, let's go, merci. L'arrosoir de cuivre. Boutique, allez, je te vends. Ça, comme ça on peut faire ça, ok, ça, ouh, ah, c'est bien trouvé ça. Oh non, attends, il s'en va, vite, attends, je vends ça. Non, mais c'est pas ça, non. Elle part pas, tu restes là, je t'ai dit. Voilà, tu me mines mes trucs. Ok. Gunther. Ouais, bon.
Il est parti de toute façon. Enfin, pas à 16h. Bah, apparemment, non. Apparemment, le mardi, non. Pas m'en plaindre, hein. Est-ce que je le garde pour l'objectif? Parce que bon, il faut encore que je trouve les 5 boîtes mystères, quoi. C'est quoi, non? Parce qu'en plus, je crois que j'ai des appâts si je fais ça. Ah, c'est pas des appâts, c'est des graines. Allez! Clic! Ouh, un nouveau lit. Ok. Bah, c'est vrai que je peux même pas aller pêcher, j'ai pas d'appâts. Bah, si, j'ai des appâts de luxe, mais... Eh ben, je vais devoir attendre demain pour le... Ouais, je vais devoir attendre demain pour le fumoir à poisson. Malheureusement. Mais du coup, demain... J'ai pas de place sur moi, en vrai, pourquoi je vais pêcher? Ça va le faire. Si, il y a besoin des tickets, ouais. Mais les tickets, ça va, on peut en avoir assez souvent, hein. C'est pas dur à avoir. Tu sais, en fait, le plus dur, c'est les boîtes mystères, parce que c'est dans les arbres. Mais j'ai beau tabasser des arbres, il y en a jamais qui tombent. Bon, les premiers que je vais avoir, je vais les ouvrir. Hein. Si les gens pensent l'inverse, c'est mal me connaître. Hein. Faut que je vois le déshydratateur s'il me donne beaucoup là. Là, on va faire un truc aussi. Déjà, c'est que je vais vendre ça. Oh, allez. Je vais aller chercher mon... Est-ce que je vais le chercher ou... Non, on va faire plus simple. Je vais faire du bois. On va faire des petits chemins en bois. Car dans le mode automate, les chemins en bois comme ça agissent comme des liens. Je sais plus ce que c'est le raccourci pour voir ça, mais... Je me suis trompé. Ta 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 ta. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. On met le coffre à côté. 325 balles. Ah ouais. On passe d'un truc à 40 balles à 325. Ah, c'est pas mal. Ah. On peut pas automatiser l'utilisation des déshydratateurs. Ah non, c'est qu'il me faut du charbon. C'est logique. Il me faut 5 champignons et 5 charbons surtout. Surtout du charbon apparemment aussi. Hop, voilà, comme ça, ça produit tout seul. Dès que ça produit, ça va aller dans le coffre et ça ira dans le déshydratateur. Et comme ça, on viendra récupérer ça plus tard. Simple et efficace. Il me faut 500 balles. Voilà, voilà. On va vendre ça. Et la suite, on verra plus tard. Comme ça, demain, j'ai le fumoir à poisson et je suis quelqu'un d'heureux. Ça, on peut se faire une bonne session pêche et on se fait mais une thune. On va pouvoir avancer. Allez hop. Anniversaire de Malou. Malou, c'est... une barre d'or. Elle aime bien, ça va. Bon bah très bien. Ah, rien n'a poussé. Non, rien n'a poussé.
Ah ouais. Ça c'est de l'arrosage. Ça c'est un arrosoir qui arrose. Les chances sont ridicules, mais tranquille. Là, faudrait que j'aille acheter du blé. Pour le centre communautaire. Elle aime le diamant. Ouais, bah. Moi aussi, j'aime bien le diamant, donc non. Ouais, on testera du coup ouais, si les crustacés ça marche, du coup. Parce que croyez-moi que si ça marche, c'est. La plus grande erreur qu'ils ont fait, hein. La plus grande erreur que le dev ait fait, hein. Parce que je vais en sécher du crustacé, hein. J'ai oublié le chat, ouais. Dommage. Je peux pas parce que mon vrai chat est réveillé maintenant, donc je peux pas. Elle serait... j'ai pas la ref festif, je t'avoue. J'ai pas la ref. C'était chaud de m'expliquer de quoi tu parles. J'ai pas la ref. Or, je sais pas de quoi tu parles. Allez, je disais mon dernier appât, merde. Allez, Willy, rentre chez toi par pitié, frère. Quand c'est le premier message dans le chat et que ça pose une question sur un truc, je préfère demander ce que c'est parce que moi je comprends rien. Poisson globe? Ah non, étoile de mer. Oh, la bonne étoile de mer séchée qu'on va faire là. Pas qu'une étoile de mer avec un pattern comme ça, c'est un truc bien plus vénère. J'ai le seum si c'est encore une étoile de mer là. Ah, c'est un putain de poulpe, ok. En gros, c'est du shit. Ah, tu m'étonnes que j'ai pas la ref. Rentre et fais comme chez toi! Pourquoi? C'est quoi déjà ce truc? C'est de la bonne qualité, ça, les poissons raffolent. Par contre, n'oublie pas de bien te laver les mains après les avoir mis dans le jus. L'odeur est connue pour persister jusqu'à 7 semaines, mon petit. Alors, j'ai entendu dire que tu attrapes beaucoup de poissons. Ouais. Oui. À mort, ça donne beaucoup de pognon. Un garçon comme je les aime. Je peux toujours faire confiance à un pêcheur. C'est le dicton préféré de mon grand-père. Bah, continue comme ça, j'ai une récompense très spéciale pour toi si tu attrapes tous les poissons dans ces eaux. Bon, après... Toi bien? Bah, les affaires ont été difficiles ces derniers temps. Tout a commencé à peu près au même moment où l'ancien centre communautaire est tombé en ruine. Les poissons ne se vendent plus aussi bien qu'avant. Je travaille deux fois plus pour joindre les deux bouts. C'est bon, le poulpe? Sûrement. J'ai pas de souvenir d'avoir mangé du poulpe, donc... Si les affaires reprennent un peu, j'aurai peut-être le temps de te montrer quelque chose. La vieille fille, bien sûr. On a la ref. Un jour, mon petit, tu comprendras ce que je veux dire. Ouais, t'inquiète pas, je sais. Je sais déjà. Ah, putain de merde.
peut enfin utiliser ce putain de fumoir à poisson. Et ça, j'avoue que ça me met bien. 280, ça c'est vraiment pas, c'est pas fou, hein. Bah, attendez à mieux quand même. Ça dit quoi niveau bouchon? Oh putain, on a la canette de jauge à coller en bouchon, c'est bien ça. Allez. Oh le petit cœur. Ouais, ouais, du coup le fil il est bien à couleur, ouais, là le fil est rouge. C'est vraiment le détail qui sert à rien, mais toujours moins prendre. 4 IV à 0, pas mal. Pas mal. Hop là, tilapia et... œuf de poisson tilapia. Et un hameçon à l'heure. Le problème, c'est que j'ai pas encore la canne à pêche avec les hameçons. Et donc ça coûte 500 balles, je vais le revendre à 500 balles. Ça va bien. Ouais, tous ces poissons qu'on chope, on va pouvoir les fumer maintenant. Et fumer un poisson, ça double son prix. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Par contre, il faut que je chope quelques méduses en rap si je veux en faire plusieurs. Hop. Enfin, je reviens de pêcher, mais genre plus tard dans la soirée, comme ça je peux choper les concombres de mer. What the fuck. C'est pas humain de faire ça, hein. Ah la vache, c'est une folie, mais c'est ingérable. Tout ça pour que ça soit un vieux poulpe qui vaut 200 balles là. Allez hop. Oula. Hop. Allez ouf. Allons mettre en place notre fumoir à poisson. Tac. Merci Naflan pour le raid. Merci beaucoup. Merci beaucoup Naflan. Naflan, si j'ai pas de bêtises, qui bosse sur traducteur du mode expanded, si j'ai pas de bêtises, Naflan, non. Pas peur de dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Hein. Un autre raid. C'est ça. Ça, j'ai bien retenu. Genre, tu vas bien d'afflant. Hein. Merci pour le raid. Hop là. C'est de lui le bébou du coup. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas si c'est de toi d'afflant ou de Isaline. J'ai peur de bouger les pseudos. De Isaline. Le PNJ qui t'appelle bébou. Mais. Sûrement. Jovania, tu viens de finir la première année? Ok. C'est toi le bébou? Quel enfer. Vraiment, tu parles à un PNJ, tu appelles bébou, t'es en mode bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de vivre là? Mais tiens, va prendre ta flotte toi. Hop. Voilà. C'est toujours. C'est un moment quoi. C'est un moment de vie. C'est un petit moment de vie. On s'y attend pas quoi. Alors attends. Bois dur. Où est mon bois dur? Où sont mes méduses? Méduse. Merde, il est où le bois dur? Je crois que je l'ai raté. Là, il est là. Ok. Tac, ça dégage. Et je peux enfin faire mon fumoir à poisson, bordel!
La folie! Je suis trop heureux. Je suis premier degré trop heureux d'avoir un fumoir à poisson. C'est trop bien. Meilleur objet. Meilleur ajout, franchement. On peut pas rêver mieux. Non mais putain, quel enfer. C'est quoi déjà, c'est... Non mais attends, comme ça? Non mais... J'aimerais avoir la main vide. Voilà. Je sais plus comment on fait pour faire sauter. On pouvait le, on peut le faire sauter d'un côté. Voilà, t'as du boulot. Allez. Par contre, le charbon va pas réussir à suivre. Ah, on va voir. Let's go. Ah. Let's go. Oui, bah après, vous avez raison. Il y a des rêves au streaming français. Ah non, j'ai pas du tout vu Nathan, pas du tout. J'ai pas du tout vu. Après, ce serait sur quel PNJ parce que. J'ai pas vu de référence StreamFR, je t'avoue. Peut-être mal vu après, hein, moi je. Sait-on jamais, hein. Y'a une ref à moi, comment ça? Comment ça, y'a une ref à moi? Tu dis rien? Ok, ça marche. Comment ça, y'aurait une ref à moi? Ouais, mais ça, du coup. Ça, je vais le vendre pour l'instant. C'est pas utile. Hein. Ah. Rejoli. Après, faut voir d'où est-ce que tu les as mis exactement. Parce que. Ça se trouve, faut que je cherche pas aux beaux endroits, on va dire. Maru, elle est chez elle ou pas? Elle est chez elle, ok. Enfin, elle commence à partir de chez elle, mais tranquille. Ah d'accord, un item, ok. Un item, carrément. Après, un dialogue, la vache, c'est random, hein. Ah mais curieux de voir ça, écoute. Maru, elle est ok. Elle est devant la flotte. Ah mais c'est ça l'arbre qui s'est cassé la gueule. C'est mon cadeau d'anniversaire, c'est gentil de ta part, merci de t'être souvenu de moi. Vous faites bien de la saison? Ouais, ça va. Il fait si chaud cette année? Oui. T'as l'impression de la cinématique où Démétrius il va me regarder en mode touche pas ma fille par contre. Hein. Ah non. Ah donc, toi non. Si c'est pas le jeu de Minto, je comprends pas. Oh la vache. Putain, si seulement. En espérant que le jeu de Mintos remet toute l'énergie du coup. Hein. Sinon c'est pas RP. Hein. C'est les Pupples. Elle va sortir, mais c'était sûr. Les hommes pris de la drogue. Oh, c'est sûrement une rêve comme ça. Hein. Écoute, on verra bien. Mais merci pour l'info. Je suis curieux maintenant. Je vais voir ce que vous allez sortir. T'es passé en été. Ouais, je suis en été là. Ça fait 10 jours qu'on est en été. Ouais. Après ça c'est considéré comme du poisson donc on peut faire. Ça veut dire que techniquement la palourde fumée ça marche. Ah. Alors, je pense que le dialogue c'est MV qui dit mais pourquoi ce clavier il colle. Grande référence d'internet bien sûr. Le clavier il colle, on a Webedia, on a des millions, on a des claviers qui collent. Franchement, une petite ref comme ça de de Willy directement quand tu pêches, pas mal en vrai. Ok, ton, je prends. Ok, parfait.
Vous avez pas, t'as pas la rêve du clavier qui colle? Après c'est une rêve qui date, hein. C'est une rêve de Mister MV quand il bossait, quand il streamait chez chez Gaming Live, chez JVC. Donc ça date, hein. J'avoue. Oh la cinématique où Seb il s'énerve devant son PC, incroyable. Ah mais on découvrira. Hein. Oh oui, le concombre de mer. Oh, en fumée, ça va valoir tellement cher. Attends, c'est pas, on enchaînerait pas les concombres de mer là? Ah non. Je prends quand même. Eh bientôt niveau 8, hein. Ah ici, la pêche, on se donne, hein. C'est pas, on fait pas semblant ici, hein. La pêche, ça, c'est la pêche, ça vit. Oh, c'est lui. Des poissons de thon. Nice. Par contre, du coup, ouais, c'est bien de pêcher des œufs, mais bon, du coup. Ah, je suis dégoûté que toutes ces VOD n'existent plus, hein, parce que vraiment les... Enfin... Les redives des Light DMV en 2016 quand on était chez Gaming Live, c'était quelque chose. Hein. C'était une leçon de vie. Hein. Attends. FV, clavier qui colle. Il y a 9 ans la vidéo. Le beau jeu, le beau geste, la lucidité. Ah merci, merci beaucoup. Putain mais... Il a changé le bug, hein. Il a changé le bug, hein. Mais c'est parce que le clavier il colle. Clavier de merde. On bosse dans une... Y'a Webedia. Webedia qui achète jeuxvideo.com. Les mecs ils ont 800 000 milliards de pognon. Ils savent plus quoi faire de leur fric. Et j'ai un clavier CDiscount qui colle, utilisé pour pouvoir aller sur YouPorn. Ce qui fait que je me meurs comme un sac à merde quand j'ai juste à faire une diagonale avec bail gauche. Est-ce que c'est normal d'être dans une boîte où il y a tant de pognon en dessous pour faire de la merde en boîte pareille à cause d'un clavier discount? Merde. Bah, si on peut avoir... bah, en vrai, Naflon, si on peut avoir cette rêve dans le jeu, c'est pas mal déjà, je pense. Ça, c'est vieux, ça à l'ancienne, ça. Hein. Ça, c'est à l'ancienne, hein. Moi je trouve que c'est une bonne ref à mettre dans les jeux. Mais pourquoi le clavier il colle? Aïe 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 aïe. Bonne ref à mettre, je pense. Ah c'est ce MV, hein. C'est vraiment... Ça c'était le MV prime time. Hein. En tant qu'il a son studio, il revient un peu comme ça en vrai. Hein. De base, MV ira, là. C'est dur à placer, celle-là. Non, mais, évidemment, c'est galère à mettre en place, mais... Puis même, en vrai, genre... À quel moment tu veux faire en sorte que... Bah, en vrai, le PNJ le plus proche serait Sébastien. S'énerve à ce point-là, serait bizarre, quand même. Puis même dans le monde de Stardew, c'est bizarre, quand même. Le clavier, il colle. Comment ça, Sébastien? Comment ça? Oui, mon chat, oui. Andy, niveau énervement. C'est vrai! Bah, du coup, tu remplaces clavier par autre chose. Mon fraisier, il colle. On plante des fraises pendant toute la saison. On va pour les ramasser. On est dans une ville qui a plein de pognon. Ça pourrait le faire. Ça serait bizarre quand même. Je n'ai plus mon espace de vie avec ce chat. Je n'ai plus d'espace de vie. Ah bégay, petite soirée au cimetière. En chill. Les fameuses soirées cimetière. Ah bon. Vous allez voir un petit peu la gueule de mes poissons maintenant qu'ils ont fumé. C'est du beau travail quand même. Hein.
Ça a tout fumé ? Ça a tout fumé. Déjà ? Hop là, 500 balles, 300 balles, 200 balles, 300 balles, 400 balles, 375 balles, 500 balles et 562 balles. Attends, quoi est-ce que ça marche ? La dinguerie ! Oh merde. Se rendent-ils compte de ce qu'ils viennent de créer ? Parce que là, ça veut dire qu'avec Automate, je vais faire des rangeax de paniers, enfin de casiers, et ça va se faire tout seul. Hein. Après, c'est poisson fumé. Est-ce que les autres trucs qui sont pas considérés comme des poissons marcheront ? Genre, après, le géomon, ça peut être intéressant à faire, pour avoir peut-être plus d'énergie. À tester. À tester, en vrai. Mais j'ai une sardine qui est juste... Tu te fous de ma gueule. Mais j'ai une sardine qui traîne de là depuis toujours. Ah, du coup, j'ai un crabe aussi. Attends, il faut... Ah merde, je l'ai cuit. Mais je devais pas le cuire, lui, je devais le garder. Bah, faudra repartir pêcher un tilapia. Parce que la sardine, c'est pour le... Ah mais non, il est là mon tilapia, j'ai rien dû. Bah j'ai terminé un... J'ai un bundle terminé, là. Qui c'est qui veut de la bonne moule fumée, là ? Hop, on va aller mettre ça vite fait. Calamar est passé. Ouais, calamar, ouais, c'est... Avoir un petit calamar fumé, en vrai. Bon, là, par contre, je sais pas s'il y a des recettes avec les poissons fumés. Genre, si tu fais du saumon fumé, tu peux faire un petit bagel au saumon fumé, peut-être ? Qui sait ? Ah, vérif. À vérif. Hop, allez, un bundle de fini en plus. Poisson de mer. Bim et bam. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, les petits totems. T'es tout. Bon. Bah, vu l'heure qu'il est, de toute façon, on va dodo, je pense. Comme ça, demain, je récupère... je crois que j'ai des récoltes qui sont prêtes. Même si j'avoue que mon argent, je le fais pas sur les récoltes actuellement. De toute façon, tant que j'ai pas les arroseurs automatiques, je peux pas faire mes récoltes... je peux pas faire ma thune sur les récoltes. Hein. C'est trop dur à gérer, hein. Ah non, ok, rien qui est prêt, j'ai un dit. I spoke too soon. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vendre ceux qui étaient déjà fumés en fait. C'est un peu con. Et là, je pense que je vais aller acheter plein de graines de blé, je vais faire un champ de blé. Vu que le blé ça coûte pas cher, je peux en planter plein, fais plein d'XP. Hello the cat. Moi, je veux voir ça fumer. Et du coup, la palourde, elle monte à 187. Hein. C'est giga propre. Hein. Ah, c'est très très bien. Hein. Il va falloir que je mette en place une préparation de charbon. Et tout, ça va être drôle à faire. Hein. Oh, attends, on peut faire ça depuis toujours ? C'est nouveau ça, non ? Il fait des petits robots. Je sens que c'est pas nouveau, mais je sais pas. Et puis ton verre. Hop là. Regardez-moi ce mouvement, regardez. Hop là. Hop là. C'est 1.6, ouais c'est ça. Hein. Ça me disait 1 avant, mais c'est très drôle comme mouvement. C'est très drôle comme mouvement, ouais.
J'ai pas posé la courge. Dommage. On va attendre le reste, c'est pas grave. Sur quoi je parle en vrai? Est-ce qu'on repart en journée pêche fuck it? Pour faire masse de pognon avec tous les poissons fumés? Ou est-ce que je vais dans les mines? C'est une bonne question. Faut que j'achète des graines de blé, mais je sais pas si je peux en acheter beaucoup avec 1300 balles. Parce que quand je dis que je veux faire un champ, je veux faire un champ. Hein. C'est vraiment le champ, quoi. Le big, big champ. Je me demande combien de clients jeu-là gagnera. Combien de clients gagneront. Ouais, ouais, d'accord. Notre famille s'agrandit à chaque saison. Après, j'aimerais bien aussi avoir assez de pognon pour acheter le bouquin qui fait que je peux courir plus vite. J'avoue que c'est un petit détail qui me ferait plaisir, quoi. Et si tu veux, laisse-moi tranquille. D'accord. Ah, mais il a fait à où? Mais j'ai pas reçu de... J'avais pas reçu de message pour la fête à Wayne. Si ? C'est sympa avoir reçu une lettre pour me dire que la fête à Wayne était maintenant. D'accord. Bon bah... Si tu veux que je foute dans son truc là... Bah écoute, j'en ai deux, je vais mettre une courge. Bah non, courge ça vaut rien. Peut-être pas envie d'être un poisson fumé dedans. Hein. Non, bah écoute, même s'ils sont pas contents, je vais mettre une courge. Hein. Il a pas reçu hier. Non, non, j'ai pas reçu de lettre hier. Non, non. Ou alors, je l'ai vraiment esquivé. J'ai vraiment esquivé l'icône de lettre toute la journée, mais je crois pas. Il me semble pas avoir esquivé le truc toute la journée. Hein. Peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe, hein, mais... Je vais bientôt virer Lilith parce qu'elle est sur le point de me mordre le bras. Donc, si vous me voyez sursauter ou... ou faire des mouvements brusques, ce sera normal. Voilà. Hop. C'était sûr. Salut Xavier. T'as arrosé le plant de graines en dessous du champ. J'espère. C'est une si jolie fête. C'est toujours un plaisir de visiter Stardew Valley. Regarde bien, le gouverneur est ici pour sa visite annuelle. Si vous avez apporté quelque chose pour le buffet, assurez-vous d'ajouter dans la mixture, bien sûr. Vous apportez quelque chose, je vais dans les escaliers, bien sûr. Ah, dans la soupe, vous avez ajouté une courge d'été. Ça va, il va être en mode, bah, ça va chier votre soupe. Ça va, Miguel? C'est fatigant d'interagir avec tout le monde, je préfère admirer la mer. True fact. Non, il n'y a pas de... Ok, je pensais que j'allais avoir un épouvantail à acheter, mais non. On fout un peu de cette... On fout un petit peu de cette fête. Pour être honnête. Ça va, Xavier, ça va. Hein. Ah bien, mes amis, il est à nouveau temps pour la cérémonie du repas partagé. Je fais confiance à chacun d'entre vous pour avoir mis des ingrédients de haute qualité dans la marmite cette année. C'est vrai que j'ai pas mis de haute qualité, j'avoue. J'ai mis une courge classique. Je vais vous faire l'honneur de goûter la choupe. Bien sûr, j'ai attendu cela toute l'année. Il va dire balai banal. Ah! C'est une très bonne soupe! Ah! Let's go! Très bonne soupe! Let's go! Salut Enox. Oh, délicieux, vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui.
Ah, une petite courge d'été, c'est rare, quoi, quand même. Hein, mais bon. Attends, qui d'autre? Qui c'est qui veut de la soupe? Ça ira. En fait, Arwen était un véritable succès. Heureusement que j'ai apporté un petit quelque chose de savoureux comme de la soupe. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de vendre les poissons aussi. Du coup, le crabe fumé, 250 balles. Mais, tain, mais c'est pas mal. Ah, mais je sais, mais j'ai pas encore le caleçon du maire. Je l'ai pas encore eu, puisqu'il fallait que je fasse l'amitié avec Marnie, mais je l'ai pas fait. Ah, je vais manquer de charbon. Ouais, faut que je... Attends, mais j'en ai pas récupéré en plus un four à bois. Si, j'en ai un. Un fourneau à bois, j'en ai un. On va le mettre là, je vais mettre du bois là-dedans, et puis ça va... Voilà, j'en mets 500, ça va me produire 50 de charbon, c'est bien. Voilà, ça produit du charbon. Ah mais ça fait plus que... Non, attends. J'étais à combien? Si, je crois que ça fait un peu plus que doubler. Hein. Et ça augmente un petit peu aussi la valeur nutritive, ouais. C'est win-win. C'est littéralement win-win, en fait. Hein. Hop là. 400 balles le flétan. Quelle dinguerie. Voilà. Ça va être une belle... Une belle thune qu'on va se faire. Bah oui. T'avais pas 22 de charbon? Si, mais il faut que je le garde pour les autres fours. Parce que les autres fours, ils font cuire les minerais. Il faut quand même que je garde un peu de charbon. Demain, orage et le libraire est en ville. Parfait. Je vais pouvoir lui acheter le bouquin. Ah, les tomates! Les belles tomates! Tu as fait 4 corbeaux, bravo. Tu es grand aujourd'hui. Alors, vu comment c'est, j'ai dû oublier de l'arroser la graine du poil. Vu la gueule qui est faite, oui, j'ai oublié de l'arroser. Mon champ va être catastrophique, hein, c'est encore cette saison, donc vous attendez pas à avoir un champ incroyable encore. Hein. C'est raté. Comme dit, je vais surtout faire un gros champ de blé pour avoir plein d'XP. Ça pousse vite et j'ai besoin d'XP actuellement. Plus besoin d'XP que de thunes, on va dire. Voilà. N'oublie pas d'arroser la dernière chose. Et ceci. Hop, on caresse le petit chat. Oui, bah oui, regarde, il y a eu. Hein. Oui, j'ai déjà eu 2 jours d'orage. Là, ça va être mon 3e, là, déjà. En 12 jours, ça va être mon 3e jour d'orage. Pour dire à quel point c'est un peu abusé. Ah, je vais enfin pouvoir acheter le bouquin au libraire. Ce bouquin, il vaut 3000 balles. Et j'en ai 7000, let's go. Bonjour. Lingot de fer sous mon oreiller. Ah, s'il te faut que ça, hein. Mais c'est Sébastien qui veut un lingot de fer sous son oreiller. Bizarre, votre pote. Il est acquis, ce pote, là? Ouais, mais j'ai pas le paratonnerre encore. Oh, on peut échanger... Si tu drops des bouquins en rap, tu peux vendre... Ah, ah ouais, incroyable. Ah, c'est 15 000 balles. Non, je pensais que c'est 3 000 balles. Débité. Je crois que c'était 5000 balles. 5000 ou 3000 balles. Bah non. Bon bah pas de bouquin pour marcher plus vite. Malheureusement. Pour le coup, je suis dépité.
Ça ouvre à 10h. Ah ouais, il me faut un paratonnerre pour faire des piles, mais j'arrive. Je sais plus comment on débloque le paratonnerre et j'ai pas toujours pas débloqué quoi surtout. Paratonnerre, il me semble que c'est avec un métier que tu level up, mais bah, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore quoi. Je vais chercher des lingots de fer, je vais améliorer ma pioche maintenant. Comme ça, avec une petite pioche améliorée, je me sentirai mieux. En plus, il y a un truc, il y a un truc que je veux aller fouiller, qui m'intrigue, un petit peu. Et pour ça, il me faut la pioche améliorée. Et du coup, je vais en prendre 6, comme ça, j'enfile un à Sebastian. Après, Sebastian à cette heure-là, il rompiche là. Il est en just rompiche. Croyez-moi bien, hein, qu'au prochain passage du libraire, j'achète son putain de bouquin pour courir plus vite. Hein. Ça, les 15 000 balles, ils seront prêts la prochaine fois. Hein. Pas de doute à avoir là-dessus. Hein. Ça casse ça aussi. C'est 10 000 balles ? Il va me falloir aussi. Hein. Bon, ah, c'est 10... C'est 10 balles les graines de blé en vrai. Après c'est juste c'est chiant à arroser quoi. Après j'avoue que les poivrons c'est 5 jours mais ça produit en boucle. Sachant que je pourrais en récolter 17, 23, 28, je pourrais récolter 3 fois. Tac. Fais ça. Ça, j'aurais dû faire des piments du coup. C'est bête que j'en ai pas fait. Ah. Bonjour Clint, peux-tu améliorer ma pioche? Merci. Bon bah on va planter ce que je viens d'acheter. On va aller pêcher après. Hein. La pêche est encore plus rentable qu'avant genre. C'est ça qui est fou. Après si on peut pêcher plein de concombres de mer violets ce soir. Les 450 balles, 500 balles x2. Moi je dis pas non. Hop. Attends, déjà trouvé votre mystère. Non, toujours pas. Ah non, toujours pas. Mais je pense qu'il va falloir que je parte en vendetta contre les arbres pour en trouver. Ok, c'est parti. Faut faire un 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5. Mon endurance qui fond comme neige au soleil, Thierry. Je vais chercher l'autre. Bon, pire, attends, je vais prendre celui-là, je vais le mettre au milieu. Ah oui, c'est vrai. Ah. Non, c'est bon. Même en bas, c'est bon. C'est vrai que la houe aussi, à un moment, ce sera bien, hein, mais je pense que la houe, je la ferai en dernier. Hein.
Ok. Voilà. Là, c'est comme quand tu montes ton métier de paysan sur Dofus. Je fais du blé pour améliorer mon métier. Et rien de plus. Voilà, c'est juste à faire ça. Et dans 4 jours, on aura plein d'XP. Et vu que demain il y a orage, j'aurai même pas besoin de réarroser. C'est. Comme on dirait, c'est bonnard. C'est bonnard. Boum, boum. Faut que j'en garde 6, puisqu'il en faut un pour le musée. Ça, je peux vendre. C'est vrai que Sébastien, faut que je le chope pour lui filer. Pour lui filer son lingot, mais il est toujours chez lui ou pas? Non, il est là, il se balade. Ok, let's go. Alors, par contre, du coup, j'ai pas beaucoup d'endurance pour pêcher, par contre. C'est peut-être pas la folie. Peut-être pas la meilleure idée ce que je viens de faire finalement. Enfin, pas forcément idée, c'est juste que j'avais pas le choix. Sébastien, viens là. Nice. Merci pour ton aide, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Nouveau coursier, succès. Très bien. Au pire, je vais vite fait. C'est fermé, Willy, à ce temps-là? Je crois qu'il ferme à 17h, mais je suis pas sûr. Donc on va espérer pêcher du GMO à vache. Comme ça, on pourra reprendre de l'énergie. Et puis voilà. Ça c'est pas un géamon à vache, mais ça bouge vite. Ah, J'ai vraiment le coffre, j'étais à rien de le choper, je me suis dit non finalement. Après si mes calculs sont bons, c'est un petit concombre de mer, enfin un gros concombre de mer du coup. Donc c'est quasiment 900 balles ça. Hein. Là je pêche 900 balles. Hein. Balles? Non. Oh! Un flotteur à sonar! Montre le poisson qui se trouve sur la ligne avant qu'il soit capturé et qu'il soit attrapé. Très pratique, si t'as pas envie de t'embêter pour une étoile de mer. Après, une étoile de mer, bon, ça rapporte 500 balles. C'est pas mauvais, mais c'est vrai qu'à choisir entre 500 balles et 1000 balles, bon bah. Évidemment, le choix est fait assez rapidement. Ça, c'est un jeu au moins à poisson. À vache, pardon. Ah, quoique non. Ah non, bah non, pas du tout. Bientôt niveau 8 en pêche, je suis joie. Étoile de mer ou concombre? Étoile de mer. Ton. Je suis pas bon aujourd'hui pour Guess. Hein. Pas très bon pour Guess aujourd'hui. Hein. Je dirais un flet. Comment il se bat pas, je dirais un flet. Bave. Ah, mais j'ai pas le droit au bonheur aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Je crois que j'ai pas le droit au bonheur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Au moins un concombre de mer avant que je parte. Ça c'est un jeu au moins vache. Ça c'est de l'endurance en plus. C'est long par contre à remonter ce truc.
Voilà. Hop. Là, on vit. Ah, on va pouvoir pêcher toute la nuit. Let's go. Plus demain, il pleut, donc on est bien. Un flé ? Non, une étoile de mer. Je peux pas y arriver. Je peux pas y arriver. Je vais réussir à deviner un bon poisson au moins. J'ai au moins vache, de l'endurance, et en plus il y a un petit coffre. Let's go. Moi ça me va. Comme dit, c'est de l'endurance. Oh! Mais je peux le revendre du coup. J'ai quoi déjà quand je le revends? Vous vous souvenez ou pas? Je sais plus ce que je récupère, mais je suis content de l'avoir, tu vois. Ça je prends, ça je prends, ça vas-y c'est trop. Miaou? Ouais. Ok. Je sais plus ce que j'avais en le revendant. Je crois que c'était un sonar. Je crois que c'était sonar à poisson. Non, c'était des méduses. C'était des méduses de caverne, je crois. Méduses de caverne, ça peut m'intéresser par contre. C'est chiant dans les cavernes. Après, mon fumoir, il tourne bien. Hein. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de faire plus de fumoir. Plus tard, oui. Là, pour l'instant, non. Peut-être prendre les 800 balles du bouquin. En le revendant. Je vais faire ça. Salut Yuka. Oula. Oh, concombre de mer. Grand concombre de mer, on va dire en étoile argent. C'est une étoile de mer de mer, je suis dépisté. Ça se bat comme le concombre de mer, mais ça vaut deux fois moins cher. Bref. Par contre, les méduses des océans, ça va bien. Allez. Ah, encore un Goemon. Ouais, c'est un peu d'XP, mais bon, ça explique pas grand chose quoi. Non. Ça donne un bonus de pêche, je suis d'accord, mais ça vaut que 200 balles. Après 7 minutes, bon. Dans 7 minutes, on dort, donc... Mais regardez pour le lendemain. Ça par contre... Peut-être le garder pour le lendemain, en vrai. Ils ont deux mères dans leur nom, mais il y en a un qui vaut plus que l'autre. Bah, bien sûr. Encore? Non, mais putain. Après, je garde. Je garderai pour l'endurance pour le lendemain. C'est pas plus mal. Et en plus, quand on a des coffres, c'est vraiment free coffre. Donc, je vais pas me plaindre. Hein. Bah, on n'est pas là pour ça. Hein. Woodwood. Non. Ah, vous avez aussi. Franchement, ça va faire de la pêche de poissons de rivière aussi quand même. Vu que j'ai un bundle qui me demande des poissons de rivière. Ah. Bon, je joue Jaco, au revoir. Finalement, le choix était plutôt simple. Je peux pas avoir. Maintenant que j'ai le fumoir à poisson, je peux pas avoir des concombres de mer. Vraiment. Maintenant que j'y ai accès. Un flétan encore. Gagné. Ça va être un petit coffre.
C'est vrai que je pourrais passer un petit coffre ici pour stocker mon bordel. Mais bon, faudrait que j'achète le sac aussi à 10 000 balles qui me rapporte plus de place. Hein. C'est vrai qu'il me sera utile sur la durée. Hein. Bon, les derniers petits poissons. Quoique, j'aurais... Ouais, c'est le dernier poisson. Tu sais, avec le fumoir à poisson, honnêtement, le fumoir à poisson, je trouve que c'est un cheat de fou. Hein. Fumoir à poisson, ça double la valeur des poissons. Même si, bon, ça coûte un charbon à chaque fois. Genre, le rapport qualité-prix, on va dire, c'est imbattable, quoi. C'est beaucoup trop fort. Faudrait que je fasse un petit panier à crabes pour voir genre si je récupère l'escargot, ce genre de conneries. Voir si ça, on peut les fumer aussi. C'est comme dit, hein. Si on peut vraiment tout mettre dans les fumoirs à poissons, mais la strat de mettre des paniers à crabes partout, les relier avec Automate et tout automatiser le flambage. On va être les rois du pétrole, hein. Ah, nice. C'est quoi, je mets une méduse là, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Tac, et ça, je crois que c'était qu'il fallait. Ok. Je vais faire un petit coffre. Il me faut de l'appât aussi, je crois, pour mettre dedans. Vu que j'ai pas encore le niveau 10 et que mes paniers à crabes demandent de... Enfin... Je vais mettre ça, du coup. Je sais plus ce que c'est le raccourci pour voir si ça marche. Je sais plus. J'ai plus le raccourci. Regardez, des moules fumées. Avez-vous déjà vu des moules fumées? Maintenant, oui. J'ai pas de place pour le vendre et j'ai plus de temps. Dommage. Ce sera pour demain. Salut l'urètre. Sacré pseudo. Bac de compost de luxe. Je sais plus ce que ça fait, ça. Mais on prend. C'est ma carte. Ah bah l'objet était folle, hein. L'objet était trop bien, hein. Alex, je suis chanceux. Bah dommage, j'ai pas ma pioche. Et Alex, il aime quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il aime, le bon Alex? À part le sport et le football américain. Alex, il aime quoi? Il aime rien. D'accord. Ah si, il aime bien les snacks. Ah, le bouquin, le Jack Be Nimble, Jack Be Thick. Un bouquin qu'on peut avoir qui donne un de défense, il aime bien, c'est son cadeau préféré. Ça va, on chill en vrai. Ah, bah du coup, le problème c'est que Alex il est chiant parce qu'il aime bien des trucs rares et notamment un spoil. Chiant ça. Il aime bien le casse-croûte. Je vais faire un casse-croûte. On peut dire que vous donniez un coup de main à certaines personnes au village? Tout le monde semble vraiment reconnaissant, je veux descendre le prix de meilleur voisin du mois. Yes! Allez! Hop là, tout le monde me respecte maintenant. Tac, tac, tac. Voilà, ça, il aime bien ça. Petit casse-croûte. Ça, du coup, je l'ai pas vendu, ouais, c'est con ça. La relecture de ce livre permet d'acquérir un peu d'expérience. Ah! Mais c'est un truc de... Ah ouais, son XP, c'est un peu une arnaque. J'aurais peut-être pas dû le faire ça, mais c'est pas grave. On va prendre ses erreurs. Ouf. Oh, oh le grand concombre de mer à 937 balles qui redonne 338 d'énergie. Ah, oh, ça met bien, ça. Ah, oh, ça met très très bien, ça, pour le coup.
Ok, écrevisse. C'est un poisson. Donc c'est bon. C'est bon. Donc ça marche. Les écrevisses aussi sont considérées... Putain, oh la vache. Je monte niveau... Alors vraiment, je vais vous dire. Je monte niveau 10 pêcheur. Je me lance dans la création... Non. Je me lance dans la création... d'un setup de panier de crabe qui me crame tout. Et on est riche, hein. We are rich comme Croesus. Il y a un truc que je dois faire depuis le début que j'ai oublié de faire, c'est... ça. Et ça. Parce qu'on a quand même trouvé ce truc-là dans les poubelles. Maintenant, il faut... Voilà. Là, on est chez nous, là. Là, on est chez nous, tu vois, on est directement dans le jardin avec une petite chaise en plastique, la petite bouteille, et le semi-minable. Et le semi-minable. C'est vraiment, c'est la meilleure chose, hein, ce truc. Hein, c'est... Attendez, il manque quelques trucs. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est des copains. Ah là, on est chez nous. Ah, putain. C'est vraiment la meilleure déco. Hein. Attends, j'ai pas fait une petite tape au chat. Voilà. Putain, là, on est bien. Et même, le jeu m'a dit que c'était mon jardin, donc je fais ce que je veux. Hein. Ok, demande à les myrtilles. Ok. Donc là, je vais peut-être aller pêcher, du coup, en rivière ou en montagne. Et il faut que je chope Alex, qui est encore chez lui. Ouais, il manque le barbecue, mais j'ai pas encore... Je sais pas si on peut avoir un craft de barbecue. Je sais pas du tout. On verra bien. Ah, roquette. Les monstres connus sous le nom de jeunes calmars mettent en péril la survie des élémentaires. J'aimerais qu'un aventurier entre... jeunes calmars. Ah, c'est les crabes. C'est les crabes de ces morts. Merci Azuka pour le 33e mois, merci beaucoup. Merci Azuka. Je crois que c'est ça. Bonjour. Salut Alex, tiens bro, prends une barre protéinée. Tu te souviens de la date de mon anniversaire, c'est impressionnant, merci. C'est pas le temps pour aller faire du sport. Je peux toujours faire de la musculation intérieure. Excuse-nous mec. Pour moi, le 10 week-end n'est pas différent du reste de la semaine. Est-ce qu'il y a ta meuf en général dans le jeu? J'ai pas de meuf par défaut. Je sais que le tout premier aspect que j'avais fait, j'avais pris... comment elle s'appelle? La connasse, là, la blonde. J'ai oublié son nom. Alley, pardon. J'avais fait Olivia. Olivia, bon. Bah Olivia, c'est parce que, bon... Olivia, on va dire que c'est parce que c'est une... Bon... C'est différent, c'est pas une jeune, quoi. Mais bon. Je voulais tenter, voir ce qui se passe, quoi. Finalement, que t'apprennes que ce soit... C'est une veuve qui se bourre la gueule tous les soirs. C'est en mode, bon. Là, son mode est Sophia avec le mode. Ouais, bah... La classique pour beaucoup, je pense. Il y a plein des gens qui étaient en mode... Non, mais c'est pas là que je dois pêcher, bordel. Je dois pêcher dans les montagnes, j'avais dit... Non, j'avoue que j'ai pas de go-to direct. J'ai fait Abigail aussi. J'avais fait Abigail. Et après je sais plus. Oui, et puis du coup avec Olivia, oui, j'ai fait divorcer parce que j'ai fait une roue du divorce, c'était 10%, c'est tombé dessus. Bon, ouais. Du coup pour Evelyn, on peut pas. Hein. J'avoue que... En plus, maintenant, dans la 1.6, y a pas des trucs en plus, maintenant, pour quand t'es marié. Go pour Andy. Mais Andy, on peut pas non plus.
Alors soit non, les deux seuls mariables qui sont dans Expanded, c'est Olivia et Sophia du coup. Mais Sophia bof. C'est quoi, Nico? Salut souris. Il y a une hype autour de Stardew. Parce qu'il y a une mise à jour qui est sortie il y a pas longtemps. Vu que le jeu a pas été mis à jour depuis quasiment 4 ans. Bah là il y a une mise à jour, du coup tout le monde est hype de fou. Non, ah. Ok, il me faut quoi déjà pour le bundle? Faudrait que je regarde après le thé. Je crois que c'est qu'il me faut un achigan à grande bouche. Le poisson vert là. Et le reste je sais plus. Voilà, ça il me le fallait. Attends. Aquarium. Paquet poisson de rivière. Il faut un poisson lune, un alose et une truite tigrée. Truite tigrée, c'est pas genre un truc relou à avoir? Truite. Attends, poisson. Poisson. Ah, faut que je marque fish, sinon il est pas content. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas pendant cette saison-là. Ok. Bah du coup, la Tiger Trout, je peux pas la prendre pour l'instant. Par contre, oui. Par contre, ici, il y a un poisson que je peux avoir. Important. Bah c'est pas pendant cette saison, surtout la truite tigrée. C'est littéralement la même chose que j'ai eu en premier là, non? Boum. Ouais, c'est ça. Je baisse, non? Avec grand plaisir. Petit diamant qui pop comme ça, moi, y a pas. Tu m'offres un diamant, je le prends. Ça fait plaisir. Même si bon. Bon. Attends, avec les poissons, je fais bien plus de thunes qu'avec un seul petit diamant. Mais c'est un petit bonus non négligeable. J'ai un grand bout, j'ai eu, c'est bon. Après, poisson lune, je crois que c'est pas dans la montagne, je crois que c'est en bas. C'est dans les rivières en bas. Il faudrait que je bouge. Il y a juste un poisson qu'il faut que je pêche ici. Espérons l'avoir. Ah, deux! Barbot, il me fallait aussi. J'ai rien dit. Barbot, il me fallait aussi. Attendez. Pourtant, c'est bon. Ah, faut juste que je tombe dessus. Un chevesne. Je pars sur un fish, le chevesne. Bravo à moi. Quand le poisson il bouge pas beaucoup, c'est pas difficile de deviner que c'est un poisson la con. Il bouge pas mal lui. C'est peut-être mon gars. Oh oui, c'est lui. Si c'est pas lui, c'est un poisson custom et du coup je sais pas ce que c'est. Je commence un peu à m'emmerder quand même. Tranquille. Ok, Mister l'Esturgeon, voilà ce qu'il me fallait. Voilà, ça c'est pour le musée, ça. Allez, on déposait ça au musée en passant, enfin le centre communautaire, pardon. Comme ça c'est fait.
petit poisson de spécialité. Je me permets, je m'en mets ça. Hein. Ce jeu manque d'ambiance. Ce jeu manque de musique à certains moments. Poisson de spécialité ? Non, poisson de spécialité, pardon. Putain, j'aurais pu ramener le truc ici d'ailleurs. Ça faut que j'aille chercher ça maintenant. Ouais. Ah non, ça tombe, mais la barbe, je sais pourquoi. Là. Il manque la carpe aussi, tiens. Alors, tac, tac, et tac. Et la carpe, en vrai, c'est facile à choper, c'est un truc. Enfin, comme c'est facile à choper, est-ce que c'est un truc de saison ? En toutes ces saisons. Toutes les saisons, partout. Ah non. Mountain Lake, Secret Wood Pond, Sewers. Ok. Ça marche, oui, si, si, fait venir. Il y a du caviar, ouais. C'est un des trucs à faire dans les bassins de poissons, d'ailleurs. Ah, dans le jeu, tu peux faire du caviar, tu peux faire de la truffe, tu peux faire de l'huile de truffe. Ah, si, tu peux, hein. Ah, ça suffit. Hop. Encore un arbre qui s'est cassé la gueule, là, j'ai entendu. Hein. Ok, la méduse, ça marche pas. C'est une bonne chose à savoir. Ça, je peux te le mettre là. Bah, du coup, en vrai, je vais peut-être aller voir du coup dans la forêt. Vu que j'ai la hache pour y aller de toute façon. Attendez-moi. Du vin et de la bière, ouais. Attends, maintenant, ce qui est bien. Enfin, c'est bien, c'est vraiment. Ces petits détails tout cons, mais moi, j'aime bien. C'est qu'avant, les vins, on peut faire des vins de tout dans le jeu. Dès que t'as un fruit ou un légume, tu veux en faire un vin, tu peux. Et en gros, avant, les vins, ils avaient toujours tous la même gueule. Maintenant, chaque vin a la couleur adaptée aux fruits, aux légumes que tu utilises. Enfin, aux fruits, du coup, c'est plus en général un fruit. C'est un petit détail de la con, mais c'est un détail que j'aime beaucoup. Comme par exemple, si tu fais un vin de fraise, bah, le vin sera rouge. Alors qu'avant, c'était même couleur tout le temps, quoi. Oui, c'est en dessous de la cave, hein, ce qui se passe. Je rentre dans la forêt. Ah, mais d'accord, mais c'est la fameuse forêt, mais c'est la forêt qu'il y a dans ma... Ah oui, d'accord. Et du coup, en fait, ça, c'est ma ferme, ça. C'est encore dans ma ferme, ça. C'est les zygomatoques, pardon. Oh, merde. Ah, on découvre un peu les secrets de la ferme custom, là. Des coins un peu reculés. Ah mais c'est source chaude ! La folie. Bon, là, les tours qu'il faut faire pour aller aux sources chaudes, mais... Bon, j'y vais. Peut-être que je pète ça, je suis un peu obligé. T'as découvert les fameux bars à bière en études sup, c'est difficile en bière. Bah, normal, après, c'est une expérience à avoir. Hein. Ah oui, la transition est exceptionnelle. Oh, ah ouais. Ah. Ah, les sources chaudes. Directement chez soi. Alors qu'il pleut. Le bonheur des sources chaudes. Ouais, après, ouais, faut voir comment... Quand j'aurai accès au TP, est-ce que je mettrai pas un TP ici, justement ? Petite pêche. Je crois pas qu'on puisse pêcher dans les sources chaudes. Ce sera un peu abusé. Quoi? Si je remonte un truc. Ah, mes lunettes, merci.
Après, des sources chaudes, ça reste des sources chaudes, hein. Quoi ? D'accord, ça le... D'accord, ça le... C'est un loot de rivière, d'accord. Ouais, c'est un peu... Ça, c'est un peu con, par contre, mais bon. Je pense qu'on aura un poisson spécial, un poisson... Oula, attends. Un brochet. Un petit brochet. Bah, écoute. On pourrait se faire chier partir à la mer quand on peut pêcher dans sa source chaude. Franchement, je ne comprends pas les gens qui font ça. Le poisson est déjà cuit. Bah, si seulement. C'est vrai que ça aurait été drôle s'il était déjà fumé. Ça aurait été drôle. Mais malheureusement, non. Une dorade. Attends, mais dorade, j'en ai pas besoin d'ailleurs en plus. Si, pour pêche nocturne. Let's go. Let's go, ça. Ça vaut que dalle, une dorade. Parfait. C'est bénef, la pêche dans les sources chaudes. Hop là, le brochet. Bouge pas, le brochet. Bouge pas, le brochet. Bouge pas. Ok, bah, faudrait que je vois comment je peux venir ici, mais sans passer par la forêt, honnêtement. Il y a une tombe ici. Ami, épouse et mère bien-aimée, Yoba a décidé que tu devais me quitter, mais tu n'es pas parti seul. Une partie de moi est partie avec toi. Repose en paix, mon lys tigre. D'accord. Je sais pas la rêve de qui c'est, mais écoute. Grand F. Bon, dommage, je devais aller pêcher ici, moi. Pour récupérer une carte. Enfin, du coup, dans la logique, cette eau-là vient des sources chaudes. Donc en vrai. Ah ouais. Oh, ils ont fait un labyrinthe, mais vous avez que ça à foutre. Oh non, mais c'est pas possible. Ok. Ouais. Qu'est-ce que... Ok, c'est un bordel. En plus, la statue, pour l'instant, j'ai rien à y faire. Ah, ils sont bien contents de faire. Ils sont bien contents avec leur petit truc custom, hein. Ils nous mettent des... ils nous lâchent des trucs, là, on comprend rien. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit champignon custom, ça. Champignon poison. Ah. Champignon qui paraît innocent, mais qui peut être fatal si consommé. Ouais, j'ai une petite faim, là. Petite faim, là, en vrai. Ah, il est là, le coin de pêche. Parfait. $10,000. Allez. Je crois que c'est un secret. Je crois que c'est un secret qu'on peut récupérer. C'est pas une carpe, ça. Hein. Bah dommage, je venais juste pour pêcher une carpe, hein. C'est le poisson le plus simple à choper. Hein. C'est un poisson un poisson chat, mais c'est en autre. Attends. Ah non, 4 fiches, c'est partout. Ah non, non, j'ai rien. Ah oui, d'accord, c'est en... D'accord. C'est au...
C'est en, au printemps et en automne, mais c'est aussi en été dans, le, dans, le, dans la zone secrète de pêche, donc là où je suis. Bah en vrai, bon plan. Vas-y, on va rentrer, hein, parce que j'ai plus de place. Hein. Je crois qu'on peut pas le vendre, ouais. Malheureusement. Ah ! La petite cinématique où il se bourre la gueule sur le ponton. Alors, on va être tard. C'est pour ça qu'il m'aimait pas. Tiens, bois donc une bière. J'ai toujours un seau en bois sur moi. Ah, la vie. Cette sale race. Jamais l'impression que quoi que tu fasses, tu échoues toujours. Comme si t'étais coincé dans une abîme sans fond et qu'il était impossible de voir la lumière du jour. Un peu, il est un peu... Si ils connaissent pas Shane, c'est compliqué. J'ai l'impression que peu importe les efforts que je fais, je suis pas assez fort pour sortir de ce trou. Ouais, tu vois vite, hein. Un homme comme je les aime. Prends pas l'habitude de boire comme ça, hein. T'as toute la vie devant toi. Hein. Ouais, bah, mon foie est sur le point de m'arrêter. Peut-être mieux que je rentre chez moi. Ouais, plus tard, Jackie. Hein. Mais pas ce perso. Bah, écoute, alcoolique, la vie est compliquée, beaucoup de choses comme dans ce style, malheureusement. Shane n'a pas une vie simple, hein, va-t-on dire. Eh ouais. Bon, tout ça tu me le dé... Enfin, tout ça c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Ça, tu me le dégages, bah non. Le petit diamant, on va le vendre, parce que bah le pognon, c'est bien. Les poissons, bah, ils vont partir se faire fumer. Oh, pas celui-là. Je devais garder la lose aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, vendons tout ça. Enfin, un petit, beau petit bénéfice, là. Hop. Il y a des chaînes au pied. Allez. Allez. On l'accepte. Donc, il boit pour oublier, mais c'est dur. C'est ça. Quand tu arrives à Poudlard. Allez, Abdodo. Combien de thunes? Eh bah, premier réflexe, allez acheter le sac. Améliorer. Tous les jours. Toujours prendre le sac amélioré. Ah, les pancakes. Bonjour, c'est Maïté, la reine des sauces. On nous apprend à faire des pancakes. Parfois, j'expérimente des plats sophistiqués, compliqués. Mais faire des simples pancakes, c'est comme ça. Ta gueule. Allez. 13 000 balles, ça m'est très très bien. Salut toi, ma gorge est presque aussi sèche que le sable que l'on trouve dans le désert. J'ai envie d'une bière blonde. Vous en avez ? Des bières ordinaires ne fera pas l'affaire, j'ai besoin d'une bonne bière blonde. Bah non, j'ai pas encore de houblon. J'ai pas de houblon, mais ça pourrait se tenter. Au futur. Hop. On regarde un petit peu en réserve, toujours. Oh là, Milly, tu as encore fait la fête cette nuit. T'as mis des canettes partout. Même la plante, ouais, on peut pas la vendre. Les décos, on peut pas les vendre. Malheureusement. Ah, j'aimerais que ce soit aussi simple, hein.
Mais non, malheureusement, on peut pas la vendre. Fais comme moi, il m'imite. Ah bah. Hop là. Oh, c'est vrai que j'ai tout ça arrosé aussi, j'avais oublié. J'avais déjà oublié le champ de maïs. Enfin, le champ de blé, pardon. Puis j'ai ma pioche à aller chercher aussi, du coup. Bah, c'est du moonwalk, mais on saute. Tu glisses pas, tu sautes. C'est ce qu'on appelle le moonwalk simplifié. Hop là. Hop là. J'espère que ce champ de blé me rapporte un petit peu d'XP quand même. Le but c'est quand même que je level up mon métier, enfin mon niveau d'agriculture quoi. Là où c'est bon. Du coup la dorade, ouais, c'est un truc à amener au musée. Je vais pas le faire maintenant. De toute façon c'est pas compliqué hein. On va chez Pierre, on prend le sac amélioré comme ça on a plus de place. Je récupère ma pioche et si j'avais de quoi manger à côté, je vous dirais qu'on serait allé dans les mines, mais c'est pas le cas. Zouin, je prends ça au pire. Après, c'est à 13h l'autre qui ouvre le truc de glace. J'ai pas arrosé la plante en bas ? Merde. T'as la pauvre déjà qu'elle prend un mois pour pousser. Si en plus je l'arrose pas. Bon, en vrai, je suis à rien du niveau 6. Donc on devrait pas tarder à avoir les arroseurs avancés. Et dès qu'on les aura, par contre, mamma mia. Attends, je vais voir si le... Parce qu'imaginez le marchand itinérant, il a des piles. Il a une pile. Ce serait fou. Les probas sont très basses. Hein. Mais si le marchand itinérant me sort une pile. Même si c'est 5000 balles, je m'en fous, je le prends. C'est le meilleur type de farm. Ça dépend de comment tu aimes jouer. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est les poissons au début. Hein. Ah, Jackie! Ouhou! Voilà, d'un coin de pêche au fond de la Sandersnap Forest. Il y a une rivière remplie de saumon royal à cette période de l'année. Jette un œil à cette beauté. Ah, c'est vrai que c'est sur Montréal, c'est pas mal en plus. Hein. C'est une très belle prise. Elle a pas mal d'argent sur le marché. Je sais pas quelle action lui faire. Là. Si tu ressens l'esprit de la pêche, essaye d'attraper une de ses beautés. Ça s'est expandé de ça. Pas ma soif. Eh bah, Pam va attendre. Écoute. Je pense qu'au tout début, c'est la pêche de toute façon. Une pile, s'il te plaît, une pile, sans moi une pile. Dépité. 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 Oh oui, le cerisier à 4250 balles, comme si j'avais vraiment que ça à foutre de mon argent. Ouais, j'avoue que... Bon. On va faire ça. Je vais chercher le sac et ma pioche. Et on va essayer d'aller pêcher ce putain de saumon royal. S'il m'a chauffé l'autre là, il m'a chauffé. Non, regarde, moi j'ai ça. Bah ouais, bah super. Rien demandé, moi. Salut, l'euro. Bah oui. Ah, le retour sur Sardou. Attends, il y a une mise à jour, faut la faire. Ah. Faut être magnifique aujourd'hui. Bonjour! Salut Jackie! Bonjour!
se passe. Attends, il est superbe, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que cette fontaine a 30 ans? Elle est entretenue et réparée par un technicien de Grumbletown. Tu fais des progrès sur ta ferme? Je suis pas venu la voir depuis que tu m'as permis d'installer mon expérience dans la grotte, dont je te suis reconnaissant d'ailleurs. C'est vrai ça. Je compte fabriquer des arbres. C'est littéralement ça. Il y a ça aussi. Mais je pense que ça en vrai. Hein. Voilà une idée intelligente. Automatisation du processus devrait te faire gagner du temps. Ouais, mec. Je suis content que tu te sentes bien à Stardew Valley. Avec une ferme de... Avoir une ferme demande beaucoup de travail et peut être écrasant parfois. Parlons de Stardew Valley. Tu sais d'où vient le nom de notre vallée? Parce que Stardew quelque chose? Je sais pas. Parce que... On va faire ça. Parce que Stardew? Ah, tu as essayé de deviner au moins, Jackie. Il y a un millier d'années, une énorme pluie de météorites a bombardé cet endroit de la République de Ferngill en particulier. Bien sûr, à l'époque, la République n'existait pas encore. Les météorites étaient tellement nombreuses que leurs queues ressemblaient à des fibres étalées dans tout le ciel. Les météorites ressemblaient à des petites gouttes de pluie, comme la rosée du matin sur une toile d'araignée. Donc nos ancêtres ont appelé cette pluie la rosée de soie des étoiles. Quand la République de Ferngill a été créée il y a 150 ans, l'Union d'Admission a nommé cette vallée Rosée des Étoiles, Stardew, parce que c'est le terme anglais, en honneur de nos ancêtres. J'ai déjà demandé pourquoi tes récoltes étaient toujours saines, ou pourquoi elles sont si facilement de meilleure qualité. C'est grâce à la pluie des météorites. Le sol des vallées est extrêmement fertile. Il y a en abondance de l'azote, du phosphore et du potassium. Il y a aussi une forte concentration de minéraux dans le sol, comme du zinc, du zoinc, du manganèse, du bore, du fer, du soufre, du cobalt, du cuivre, du magnésium, de l'iron, des émeraudes, du lapis lazuli, de la redstone, du diamant, bien sûr. Tu peux tout faire pousser facilement grâce au sol fertile. C'est la raison pour laquelle tant de fermiers se sont installés pour vivre dans Stardew Valley. On est trois, hein. Enfin, on est quatre. On est beaucoup. Ouh. Pas une merde à ce point-là. Je suis heureux que tu saches plus sur la vallée où tu vis. Les effets combinés de la science et de l'histoire ont fait des Stardew Valley un endroit fascinant. Alors, la deuxième réponse, c'est vraiment c'est le. Oh, il y en a des mots. Ah, regarde l'heure, je voulais pas te garder si longtemps. Je te laisse revenir à toutes les affaires que tu faisais. Passe une journée fantastique, Jackie. Ah, j'avoue que tu parles trop, bon, c'est vraiment, on est sur Twitter, quoi. Ça, c'est vraiment... Et sans les mots, ça donne quoi, du coup? Ah! Un ticket, peut-être? Je commence à manquer de carpes. Harvey? Tu demandes des carpes? Vas-y, on va essayer, hein. Le petit sac amélioré! Bouh! Putain, ça y est. Bon, après, j'ai de la place, mais pas non plus des milliards. Enfin, j'ai pas... Voilà, c'est pas non plus... Mais bon, c'est mieux qu'avant. Oh la baguette. Bon, dépêche-toi de venir au truc de glace avec j'ai besoin de glace. Monsieur, bonjour, maître, donnez-moi ma pioche. Et merci, monsieur. On va pouvoir aller vérifier un truc. Parce que j'avais vu la dernière fois, je l'ai pas trop dit parce que bon, je vais garder la surprise. C'est où Stella? Non, c'est pas là. C'est plus haut, je crois. J'ai vu un truc la dernière fois, j'étais en mode, c'est quoi cette histoire? Et en fait, si vous regardez juste là, il y a un tronc qu'on peut péter. Et derrière, il y a un gros caillou. Et du coup, ça m'a intrigué, cette histoire. Du coup, j'attendais d'avoir ce qu'il faut pour aller voir. Et au fond, il y a une poubelle en or. Ça veut dire quoi? Le buffet de la ruelle! Vous avez trouvé une copie de le buffet de la ruelle? Vous avez plus de gens, vous trouvez des poubelles. Oh là là, mais c'est trop bien! Oh, c'est incroyable! Ça vaut encore plus le coup de fouiller les poubelles! Let's go! Ça, c'est une nouveauté 1.6 du coup. Hein. Bah, vous voyez, un nouveau pouvoir comme ça, c'est une nouveauté 1.6 du coup. Trop stylé! Je vais pouvoir trouver le chapeau poubelle ou
Ah, c'est trop cool. Ah, bonjour. Allez, 10 glaces. Ça fait le taf. Bon, bref, vu l'heure qu'il est, non, je vais peut-être pas aller. Je vais peut-être pas m'amuser à aller pêcher hein, dans la forêt, on verra plus tard. Hein. Non, chaud d'aller dans les mines en vrai. Hein. Après, je vais pas faire grand chose dans les mines non plus, mais bon. Oh! Oh, let's go! Let's go! Putain, mais attends, mais c'est grâce au bouquin que je l'ai eu aussi rapidement le chapeau poubelle, parce que bon. Oh, nice! J'ai chapeau poubelle! Et un chapeau rare. Un. Un petit flow quand même. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres trucs rares maintenant. Mais bon, je suis bien, je suis posé avec mon chapeau. Bah, ça m'est bien. Ça va très bien. On va voir ce que j'ai là. Si j'arrive à atteindre le 110, ça peut être cool. Il reste pas grand chose à faire, honnêtement. Et en plus, si j'ai pas de bêtises, si je termine cette mine là, j'aurai accès aux bandes d'arcade. Pour enfin faire du John Mino Kart. Parce que bon, ça manque cette histoire. Je sais pas comment, je pense qu'il m'a raté car je porte un chapeau poubelle. Aïe. Le problème de cet event, c'est que ça dure 800 ans en fait. Et tu perds un temps monstre à tabasser des chauves-souris qui servent à rien. Merci. C'est ça qui est cette musique là aussi. Mais non, il y a un petit élastique en dessous. Moi j'en sais rien, écoute. C'est le jeu fait comme ça, moi je peux dropper un chapeau poubelle, je mets le chapeau poubelle. Hein. Mais c'est pas ça que je vais tabasser en plus. Apparemment non. Putain, mais les jeunes calmars, mais attends. Ah mais les jeunes calmars, c'est pas les tout premiers, genre c'est pas ceux qui sont plus hauts. C'est chiant, c'est ça. Je peux pas le faire, c'est ça. Un peu. Bon, ça va, en vrai, j'ai pas beaucoup de chance, mais j'arrive à trouver les escaliers. Ça fait plaisir. Nice. Combien à la bombe? Ouais, mais j'ai pas de bombe actuellement. J'ai pas encore accès aux petits bonhommes qui vend les bombes encore. Quand j'aurai accès à lui en vrai, pourquoi pas, mais. Oh, petite émeraude. Un petit double en vrai. Petite double émeraude. Dommage. Ah, mais c'est eux les jeunes. Quoi? Donc des jeunes calmars, c'est les soleils qui te balancent du feu. Ouais. Oh mais je le savais. Hein. Vous savez pas vous. Ah, wake up, faut suivre un moment. Les gens qui savent pas ça quoi, la honte. Bref. Voilà, donne-moi les champis, comme ça on pourra les faire sécher pour avoir encore plus de thunes. Voilà.
Du coup, faut que j'en trouve juste un dernier alors. Petite glace. La petite glace de 20h, très connue. Comme dit, faut que je prépare les lingots pour faire les arroseurs automatiques. Les arroseurs avancés. Allez, j'ai beau avoir débloqué 10 slots de plus. Ou un peu plus. Toujours la merde. Hein. Hop, voilà. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais de la chance avec les escaliers, bizarrement. Maintenant, ça s'est calmé. Alors, il y a un escalier, mais genre, qui est là-bas. Allez, on cherche. Pauvre, je vais rentrer à 2h du mat. Parce que je vais passer 800 ans à trouver un escalier. En plus, ça, c'est pas comme si c'était la plus grande salle des mines dans laquelle je devais trouver l'escalier parmi 700 pierres. C'est bien. C'est agréable. Merci. Eh ben. Fameux hit de prévention. Oh, c'est quoi? Mais laisse-moi. C'est lequel ça? L'agriculture! Oh là là, mais j'ai même pas besoin de récolter mes trucs! Allez hop là, et un level gratos! Et boum! Le Brispat! Bien sûr. C'est comment déjà ça s'appelle le Brispat? Ah oui, c'est vrai. Bah bah! Allez! Montre. J'espère que c'est à ce niveau-là qu'on est. Si j'ai pas les arroseurs automatiques là, je vais me poser des questions. Mais je pense que pour moi, c'est. Normalement, ça va être là. Par pitié. Juste par pitié. On va espérer fortement. Allez. On court dans la nuit. On se fait tard. No shit, Sherlock. C'est pour ça, cours. Rentre chez toi, mec. Rentre donc. Alors. On envoie ça là-dedans. Ça me crame tout ça. Bah, je vais. Ouais, les champignons, je le ferai demain parce que, bah. Pas de place. Enfin, pas de temps. Et non, c'est pas ma. Ah non, c'est combat ça. Arroseur avancé. Oui! Des arroseurs de qualité, let's go! Ah, pardon. J'ai besoin de m'étirer. Ah, nice. C'est l'heure de préparer le terrain. Mais enfin, déjà, de voir si j'ai assez pour faire des arroseurs de qualité. Ça, c'est. Et j'ai le craft de l'arroseur de qualité, et ça me met très très bien. Oui, le fromage aussi, ouais. Mais fromage, je le ferai pas maintenant. Bon, le craft, on est d'accord que c'est argent et or. Et quartz raffiné. Ah,
J'en ai, en vrai. J'ai oublié quoi raffiner. J'en ai 20. Et là, tu vois, j'arrive, tu vois, comme ça, et schlac 10, voilà. Là, on va pouvoir commencer à vivre. On va pouvoir commencer à vibrer. Enfin. Alors après, le problème, c'est que avec mon setup-là, je ne peux pas mettre d'arroseur automatique. Ou alors, je suis obligé de tabasser des plans, quoi. Bon, je m'y prends. Bon, déjà, je vais m'y prendre en faisant ça, puisque je dois arroser. Mais je sais pas comment je m'y prends là pour mes arroseurs. Bon, là, je manque quoi ? J'ai manqué de quoi du coup ? D'or ? Donc, bah, les mines, hein. L'objectif, c'est que vous voyez ce carré entier d'herbe là, tout ce qui est délimité comme ça, là, ce soit rempli d'arroseurs. Ah ouais, non, aujourd'hui, non, non, nous, on va chercher loin. Hein. On va chercher loin, nous. Hein. Après les arroseurs en iridium, bon, c'est... pas le temps. Si on peut remplir le carré entier d'arroseurs, franchement, ça m'est bien. Hop, ça c'est fait. On passe ça au-dessus. Ouais, dans deux jours ça c'est fini. Ça en vrai je peux l'arroser jusqu'à la fin de la saison. C'est pas dérangeant. De toute façon on est mi-saison. Faudrait que j'arrive à trouver des trucs à faire pousser que je peux faire pousser deux fois genre. Ce serait bien. Évidemment. Hop. Ensuite, pendant que j'y pense. Merde! Ça connecte pas? Pourquoi ça connecte pas? Ok. Bah pour la quête exotique, non, ça sert à rien. C'est... Il m'en manquera. Ah merde, pourquoi ça marche pas? Oui, je sais, bizarre, c'est un, l'orage qui a buté ça. Merde, c'est quoi déjà? Ah, voilà, c'est ça. Ça marche pas avec les terrains de bois? Ah merde, c'est quoi le truc de base alors? C'est chemin pavé? C'est vrai que c'était chemin en bois qui marchait de base dans Automate. Ou alors c'est moi qui dois tout setup? Il me semblait que de base, les trucs en bois, ils marchaient. Laissez-moi check vite fait le dossier du jeu. Tu vas configurer le chemin, je crois. Bah, de base, il me semblait qu'il y avait que les trucs en bois qui étaient mis par défaut. Peut-être qu'ils ont retiré depuis. Hein. Mode automate config. Ah, putain, mais j'ai pas installé. Merde, j'ai pas installé Notepad sur ce PC. Ah. Connector names, workbench. Ah! Ah, mais il n'y a que workbench qui a été mis. Ok. Bah, du coup, faudra que je pense à le mettre la prochaine fois, du coup. Bon. Bah, dommage. Dommage. Bon, je vais laisser comme ça. Au pire, pour l'instant, c'est pas si grave. Il me semblait que les wooden paths, dans mes souvenirs, c'était par défaut. Bah au moins le test a été fait et voilà. Il est pas concluant. Mais au moins le test a été fait.
Où est-ce qu'ils se foutent? Franchement, j'ai une hâte, c'est le moment où je vais ranger mes coffres. Ça, c'est une... j'ai une hâte. Si vous saviez. Qu'est-ce qu'il manque en graines de, d'été? Rien, j'ai tout. Eh ben... Ah, maïs, c'est... Quoi? C'est récolte d'automne, maïs? Ah ouais. Ok. Mais sinon, j'ai tout, je crois, hein, pour l'été, hein. On va prendre ça du coup. Ça je peux le prendre. Radis non. Melon, tomate. Il manque la myrtille. Elle est là. Allez, let's go. Attends, il n'y avait pas un poisson aussi, j'avais pas la dorade à amener. Ouais, il est là, c'est pour ça. J'ai rien dit. Bah, c'est tournesol, oui, c'est... Non, tournesol, c'était pour les fleurs, c'était pas pour le... C'est aussi pour l'automne. Attends, tu m'inquiètes, là. Non, tu mens. Non, tu mens, en fait. Ah, le mensonge. Ah, ah, directement au cœur. Ah, ça fait merde. Ça fait merde. Oui, mais après le tournesol, je l'ai fait pour les fleurs. Oui. C'est vrai que je me souviens que la run que j'avais fait avec Joja, c'était beaucoup plus simple. Hein. Fallait juste amasser de l'argent, donner l'argent, fini. C'est vraiment, il y avait vraiment rien de compliqué pour le coup. Ok, le doré jaune et l'anguille, c'est que c'est. Bah, l'anguille, en fait, je peux pas l'avoir maintenant parce qu'il faut que je répare le pont sur la plage. Peut-être le faire d'ailleurs. Je pense à le faire. C'est là-bas. Je vais changer ça dans le menu in-game. Oh, ça m'étonnerait. On peut voir. Hein. Automate. Ah, mais faut le cocher! Ah, mais c'est nouveau, ça. Hein. Ça, c'est nouveau, ça. Hein. Chemin en bois. Ah, mais il faut le... Comportement de la hutte... Pardon? Ok, on peut faire comme ça maintenant. Ok, wow, ils ont fait plus simple. Salut l'abeille. Récolte d'été. Bim. Bim bam boum bim. Voilà. Récolte d'été. Finito. Je chiale en fait. Ouais. Oh merci. Merci pour ça. Merci pour ce bonheur que vous m'offrez. Ok. Ça dit quoi ici? Bah ça dit que Stardew Valley c'est incroyable. Finalement. Et je pense que peu de gens diront l'inverse. Et s'ils disent l'inverse, ils ont intérêt à avoir des bons arguments, des très très bons arguments. Je voudrais essayer de garder l'art de la pêche, je paierai 100... 4 carpes. Non mais putain, mais ok. Bah, j'ai deux missions, faut que je farme des carpes. Bah, je vais annuler tout ce que je fais, je vais aller pêcher des carpes. Hein. Si tu veux que je te dise. J'avais accès aux égouts, ça aurait été encore plus facile, mais j'ai pas accès aux égouts. Bon bah pêchons, hein. Les gens qui me demandent, ils ont des requêtes. Moi je fais que répondre aux requêtes. En vrai, algues vertes, j'en ai besoin aussi, donc c'est bien. C'est pas une carpe, ça, crois-moi. Ah ouais, on vous ment pas ici. Hein. On peut deviner quand c'est pas une carpe. Hein. Ouais, on prend les algues vertes. Je prends. Ça dégoûte. Non, ça va. Je veux juste dire qu'il faut que j'attende d'avoir accès aux égouts, simplement. Hein.
Et je pêche quoi là? Ça va être sur long ça. Va te le fumer avec ses œufs, tu vas voir. Allez, bordel, allez! Il faut des carpes à la base. Merci. Voilà. Ah, mais j'ai déjà elle. Après, je crois qu'il faut pas que je, je me serve pour autre chose, il me semble ça. Ça me dit un truc, je crois. Me semble. Hein. Oh. Non, ça bouge trop pour une carpe. Bon, je suis en grande bouche. Ah, je vais, donc. Bon, j'aimerais bien avoir des carpes aussi, si c'est possible. Je suis venu pour ça à la base. Cheveste encore. Eh oui. Oh, ça va. C'était une carpe, pour sûr. Pour sûr, je me suis fait avoir. Mes bouchons sont un peu aléatoires, ouais. Parce que maintenant, on peut avoir plusieurs bouchons différents. Oh, c'est encore un esturgeon, mais vas-y. Ouais, ça vaut cher, c'est vrai que je me plains, mais ça vaut cher, l'esturgeon. Surtout si on double son prix. Oula. Il commencerait pas à me casser les couilles, c'est sturgeon, là. Un peu, hein. Ok. C'est pour ça que c'est 300 balles de base, donc ouais, c'est bien. Ça monte à 600 balles, quoi. 624, du coup. Donc 1200 balles, là, actuellement. Ça, c'est pas une carpe, je pense. Ça va être le tout petit poisson. J'ai plus son nom. C'est le tout petit poisson minuscule. Ouais. Le Véron. Ajouté par Expanded. Il sert pas beaucoup, mais... Il est beau, ce bouchon. Un petit flot. C'est fou que j'arrive pas à choper de carpe, par contre. C'est dingue. C'est ce truc dont j'ai besoin. Esturgeon. Plutôt docile comme esturgeon, j'ai bien aimé. 4 améthystes. Allez, mais. Petit slime. Ça, c'est une carpe. Ça, sans pour... tous les jours, c'est une carpe. Quoique. Ah, quoique. Non, juste, j'ai déjà que c'est une carpe. C'est une carpe. Enfin. Enfin, c'est une carpe. Allez, plus que 3. L'évolution de 2h30, c'est ouf. Ah, ben, ça vit, hein. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que l'évolution se fait. Encore une carpe. Back to back. Back to back carpe. C'est pas vrai. La dinguerie. Voilà, back to back to back. J'y crois. T'as pas mis le mode qui affiche les zones de poissons avec ce qu'il y a? Non, j'ai pas mis. Je peux le mettre, hein, je pourrais le mettre s'il faut, mais en fait, je sais pas s'il est compatible avec Expanded. Enfin, je sais pas si ça montrera les poissons d'Expanded ou pas. Ouais, c'est un mode visuel après, mais je peux le mettre, oui, si vous voulez. Ah, mais fais-toi plaisir, monstre, fais-toi plaisir. C'est un jeu pour se faire plaisir, ça du balai. C'est un... Une carpe? En vrai, peut-être une carpe.
Ah ouais. Tout est arc-en-ciel, je l'ai pas encore eu là. Ok. Il y a Abigail ouais, qui regarde l'eau. Vas-y, il est bizarre ce type avec son. Avec son. Son haut de poubelle en train de pêcher là. Je vais, non. Ah, une bonne journée de pêche en tout cas. J'avais sûrement des trucs plus importants à faire, mais j'adore la pêche. Je sais pas du tout. Ah, j'ai une grande bouche. Okay. On va pas deviner tout seul pour le coup. C'est quelle carte celle-ci? Là, c'est la montagne. C'est juste là où il y a l'entrée des mines. Donc tu vas dans les mines et tout. Donc c'est le haut des montagnes. C'est je peux pas montrer évidemment. Et ouais. C'est là-haut quoi. Toi, je suis là. Mini Michelini en 3474 essais, let's go! Avec la strat, quand il te le file là, sur Ultra Soleil. Ultra Soleil, Ultra Soleil. Une carte. Tous les jours une carte. Ah, let's go! Allez! Ma première boîte mystère! Oh la folie! Un forgeron peut l'ouvrir pour vous! Ah putain, mais d'accord, mais c'est comme une géode! Oh, une boîte mystère! Ah, le bonheur! Attends, mais je suis pas. Ah merde, j'ai pas posé ça! Dommage! Ouais, ciao! Oh, une boîte mystère, la folie furieuse! Enfin, j'en ai une! Après, je peux pas regarder pour l'instant, mais je regarderai après. Dernière carpe ? C'est la dernière carpe. Nickel ! Bon, je. Mais c'est vrai qu'en plus, carpe, j'en ai besoin pour le musée en plus. C'est insupportable, je sais pas quoi virer. Je sais pas quoi virer. Oh, elles verront. Toi. Ça vaut que dalle. Ok, faut que j'aille donner ça à Harvey et il faut que j'aille parler à Willy. Ok. Il m'en faut 5 pour s'en trouver des boîtes comme ça. Ouais. Bah, let's go, bizarre. Bravo. Bravo, bravo. Peut-être motivé à faire du chagnon comme ça. Hein. Hop. La petite carpe. Ici. Là, ouais. Oh bah c'est fini, tiens. Bam. Collection terminée. Oh bah, sympa. C'est bon, ça. C'est bon, tout ça. Du coup, faut que je chope Harvey. Harvey, il est à son cabinet encore. Et Willy, qui va pas tarder à aller au bar, donc on va le croiser, je pense. Attends, mais Harvey, il sort pas ? Ah, ça se trouve, Harvey, il sort pas. Et du coup, je peux pas lui filer sa carpe. Faut le sauver, Willy. Non. Ah. Mais ça se trouve, Willy, c'est pareil, il sort plus. C'est vrai, il est 20h, donc... C'est pas impossible que... C'est pas impossible que... qu'il sorte plus, hein. Bon, bah Harvey, dommage, hein. Dommage Harvey, hein, t'aurais pu avoir un poisson, mais t'as décidé de rester chez toi. Ah, t'as fait un double DS, ah oui. C'est vrai qu'il faudrait que je me dépêche de prendre Deoxys, là, mais... J'ai un peu la flemme.
petite idée aussi, c'est la Pokéball. Là. Bon, bah, de toute façon, j'ai rien à garder de côté. Hein. Tout un tonsel, pas demandé. Allez. Hop, 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 hop. Tout ça, ça part dans le four. On veut faire des bons petits poissons bien cuits, là. Ouais, je vais peut-être commencer à poser les arroseurs parce que ça prend de la place dans mon inventaire et c'est un poil relou. Ah, ils l'ont pas bien setup, je vais péter un câble. Retenez-moi, je vais péter un câble. Ok, hop, hop, et hop. Et tout ça, du coup, ça va être des champs qui vont être automatiquement arrosés, ça c'est bien. Bien qu'il faut quand même les arroser une fois quand même avant, quoi. Et bah, dodo. Ça, j'avais pas vu mon endurance, mais on est... ouais. C'est pas grand-chose, hein. Tu as coupé la VOD. Bah, je voulais faire maintenant, c'est vrai que j'aurais pu le faire durant la transition. Parce que, vu qu'il est 20... Ouais, ouais. Et bah... voilà, la VOD, c'est fini.